Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Une Mémoire d'Époque. En ce jour de commémoration de la fin de la Grande Guerre, je vous propose une vidéo où je vais vous expliquer en 5 minutes pourquoi la Première Guerre mondiale. Après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, la guerre est déclarée, et le jeu d'alliance embrase l'Europe. Chacun déclare la guerre à l'autre et la guerre durera 4 ans. La Première Guerre mondiale fera plus de 18 millions de morts, tout ça pour l'assassinat d'un Autrichien ? Non, les causes de cette guerre mondiale remontent au 19e siècle, avec la montée du nationalisme, des conflits et de la colonisation. En 1789, la Révolution française éclate. Cet événement majeur de l'histoire de France va créer un nouveau concept, la nation. En effet, ce concept révolutionnaire, c'est le cas de le dire, va donner au peuple un sentiment d'unité, d'appartenance à leur pays. Cela va se traduire par une culture commune, une politique commune et une naissance commune. C'est la notion d'ethnie. Ce concept sera alors diffusé en Europe par Napoléon Ier lors de ses différentes campagnes. En 1820, après les guerres napoléoniennes, ce concept de nation va donner lieu au mouvement des nationalités. Ce mouvement populaire, qui durera jusqu'à la fin du siècle, va modifier totalement la carte de l'Europe. Des envies d'unification ou d'indépendance comme pour l'Irlande, la Belgique, la Pologne ou encore la Hongrie vont avoir lieu. Nos amis allemands vont finir leur unification après la victoire lors de la guerre de 1870, en proclamant l'Empire allemand, et en nous piquant par ailleurs l'Alsace-Moselle qui restera un très mauvais souvenir et attisant un esprit de revanche en France. Malgré ces événements, il existe encore un foyer qui n'a pas pu prétendre au mouvement des nationalités. Avec la montée du nationalisme dans les Balkans, cette région devient alors très instable. Les nations souhaitent étendre leurs empires coloniaux, l'Afrique est au centre des intérêts. En effet, il reste encore beaucoup de territoires inexplorés, riches en ressources et en terres fertiles. Chaque nation souhaite un pied sur ses terres. Mais le partage de ce nouveau continent ne plaît pas à tout le monde. L'Allemagne n'a pas sa part du gâteau, et le chancelier allemand, Otto von Bismarck, décide d'une conférence entre le 15 novembre 1884 et le 26 février 1885 pour partager l'Afrique entre Européens. Bien que cette dernière soit une réussite, les tensions ne s'empêchent pas. Comme avec la crise de Fashoda en 1898 entre Français et Anglais, ou encore la crise du Maroc en 1911, où l'Allemagne, encore grande perdante du partage du Maroc, envoie un navire de guerre à Agadir pour montrer son mécontentement et mettre un coup de poing d'arrêt à l'expansion coloniale de la France. À ce moment-là, la France et l'Allemagne sont au bord de la guerre. La colonisation est une des principales causes de la Première Guerre mondiale, mais aussi l'explication du terme « mondial » qu'on attache à ce conflit, notamment via les troupes venant des colonies. En 1875, les Balkans vont subir une série de crises attisées par les Russes et les Autrichiens. S'en suivra en 1878 le Congrès de Berlin pour redessiner les frontières dans les Balkans. Mais l'Autriche-Hongrie annexe la Bosnie, et au même moment la Bulgarie déclare son indépendance. Ces violations du Congrès de Berlin attisent de nouveaux conflits, notamment avec la Serbie. Un premier conflit majeur eut lieu en 1912, la première guerre balkanique opposant la Serbie, la Bulgarie, le Monténégro et la Grèce face à l'Empire ottoman. Le 30 mai 1913, le traité de Londres met fin au conflit, et les territoires ottomans à l'ouest de l'Aïm et Nosmedia sont cédés aux vainqueurs et doivent se le partager. Quelques semaines plus tard, le 16 mai 1913, éclate la deuxième guerre balkanique. La source de ce conflit ? Le partage des territoires cédés suite à la victoire de la précédente guerre. Suite à la demande d'armistice de la Bulgarie, le traité de Bucarest est signé. Les alliances sont rompues entre la Bulgarie et la Russie, laissant la Serbie seule avec comme allié la Russie. Le 28 juin 1914, Gavrilo Princip, jeune nationaliste serbe, assassine l'archiduc autrichien François Ferdinand et sa femme. Cet attentat est perpétré par les Serbes qui refusent la domination austro-hongroise. L'Autriche-Hongrie lance un ultimatum à la Serbie, mais cette dernière refuse. Le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, soutenue par l'Allemagne. La Russie ne tarde pas à réagir, et mobilise ses troupes le 30 juillet. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, et ce sera au tour de la France et de l'Angleterre le 3 août 1914. Le jeu des alliances est lancé, l'Europe s'embrase, la Première Guerre mondiale a débuté. On observe, dans l'Europe du 19e siècle, une montée importante du nationalisme, qui amène aux indépendances et aux unifications des pays. Mis à part dans la région des Balkans, où les idées nationalistes restent fortes et créent divers conflits qui mèneront à la Première Guerre mondiale. Les Balkans sont considérés comme la poudrière de la Grande Guerre. On observe également que la colonisation apporte des conflits entre les États européens. En Europe, la guerre était une évidence, on la voyait arriver, et certaines personnalités ont tenté de lutter contre son déclenchement,
comme Jean Jaurès, qui est assassiné le 31 juillet 1914, ou aussi le comte Tisza, qui s'oppose à l'ultimatum lancé à la Serbie, en sachant que la Russie entrerait en guerre et qu'une guerre mondiale s'en suivrait. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager la vidéo, ceci est le meilleur soutien pour cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.